Nombreux sont les Gabonais qui souffrent de dépression, de maladies mentales ou encore de renfermement sur soi. Dans le 4e arrondissement de Libreville, la capitale gabonaise, certains reviennent sur leurs expériences et celles de leurs proches. Beaucoup de personnes ont commencé à un peu me balancer des paroles, mais ils ne savent pas ce que ça fait sur la personne en fait. Et moi j'ai voulu, bon, on va dire, gérer ça moi-même, mais après, ça a l'impact sur l'école. Parce que c'est difficile de se concentrer. J'ai un ami, à l'époque, on était en première ensemble, qui me disait toujours, chaque fois que je discute avec ma tante, eh ben, elle me profère des paroles de malédiction. C'est-à-dire, elle dit que je suis un enfant maudit, je ne vais rien faire dans ma vie et tout. Et cela se ressentait lorsque l'enfant avait des faibles notes en classe. Il pensait toujours à cet aspect-là. Il se disait toujours, c'est peut-être à travers les paroles de ma tante que j'ai ces mauvaises notes. Le 1404 était au préalable le numéro vert concernant les violences faites aux femmes dans le cadre du programme Gabon Égalité. Mais ce numéro est désormais attribué pour toute forme de violence verbale basée sur le genre. Le but est de permettre aux personnes blessées par ces paroles d'être accompagnées et suivies par des spécialistes.